Salut les petits clous! Alors comment pouvais-je vous parler des années 80-90 sans vous parler de ce qui a marqué la base de notre jeunesse, vous l'aurez deviné, le Club Dorothée. Eh oui, on attendait tous le mercredi pour passer le meilleur moment de notre journée. Bon, il n'y avait pas que le mercredi, parce qu'au début c'était le mercredi, et puis après il y a eu du Club Dorothée le samedi et le dimanche, tout le monde s'en souvient, avec pas de pitié pour les croissants. Bon, le Club Dorothée, c'était quoi en fait? Bah c'était 5 gueulurons. Donc, Dorothée, Jackie, Corbier, Ariane et Patrick, qui étaient accompagnés des musclés, qui nous ont fait rire, mais qui nous ont surtout fait découvrir des dizaines et des dizaines de dessins animés qui ont bien entendu marqué notre enfance. Donc Candy, Capitaine Flamme, les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, G.I. Joe, Goldorak, Jace et les Conquérants de la Lumière, l'inspecteur Gadget, Juliette Je t'aime, Ken le Survivant, Lamu, Masque, les Mini-Pousses, les Mondes Engloutis, Musclor, Nicky Larson, Olive & Tom, Princesse Sarah, Rémi sans famille, Sailor Moon, Silver Hawks, et j'en passe. Et le plus drôle, c'est que même celui d'entre vous qui n'a aucune mémoire se souvient par cœur de la moindre petite musique d'un de ces dessins animés. Vous direz pas le contraire. Émi Magique! Ken le Survivant! Vivant de l'enfer, Ken, souvent croise le fer, Ken, dans le chaos des esprits, Ken, contre les fous, les bandits. Princesse Sarah. Princesse, princesse, tu es bien jolie, tu es bien jolie, tu viens avec tous tes amis, tous tes amis. Jeanne et Serge. Ulysse 31. Candy. Les mondes engloutis. Vous en souvenez quand même. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret du chagrin. Dans toutes les strates et les mondes engloutis. Suis Spartacus, Bob, Rebecca. Mais c'est aussi des séries qu'on a découvertes avec le Club Dorothée. Arnold et Willy, Bioman, MacGyver, Power Rangers, Punky Brewster, Spillvan, mais aussi les filles d'à côté, Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, Premier baiser, et j'en passe, et j'en passe. Enfin, c'était un truc de fou, quoi, parce que voilà, on sortait jouer avec les copains, et puis hop, après, le mercredi, on rentrait chez nous, et on se dépêchait de se jeter sur la télé pour regarder Dragon Ball. Et le lendemain matin, le jeudi, on s'empressait de faire un truc, c'est de retrouver les copains dans la cour de récré. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on faisait? On ne pouvait pas s'empêcher de faire un Kamehameha. Alors, pour ceux qui étaient abonnés, comme moi, au Club Dorothée Magazine, vous vous souvenez de ça? Le Club Dorothée Magazine, eh oui. Eh ben, c'était
Voilà, c'était ça, quoi. C'était des vrais magazines qui nous racontaient tout plein de trucs sur les dessins animés, bon, qu'on avait déjà vu à la télé, hein, je vous le cache pas. Mais voilà, c'était des reportages, c'était trucs sur les Chevaliers du Zodiac, sur Dragon Ball. Et le pire, c'est que voilà, c'est pas très facile de trouver maintenant ces petits magazines. Donc j'en ai quelques-uns que je garde bien précieusement. Ma petite collection perso, on va dire. Bon, il manque quelques trucs, hein. C'est vrai que l'idéal, ce serait d'avoir encore ma carte du club Dorothée Magazine. Mais ça, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui l'a encore. Enfin, il est loin tout ce temps-là. Même si on a toutes les chansons dans la tête. Parce qu'il y avait aussi les chansons de Dorothée, hein, faut pas oublier. Pour ceux qui ont envie de, bah voilà, de découvrir et de redécouvrir un peu tous ces moments du club Dorothée qui ont marqué notre enfance, bah, je vous invite à faire un truc. En fait, sur YouTube, il y a une autre chaîne qui s'appelle Génération Club Do. Et dessus, vous allez pouvoir y retrouver bah, plein d'interviews, des passages, des concerts, enfin des concerts, des, voilà, des chansons de Dorothée, des chansons des Musclés, Marotte et Charlie, enfin tous ces trucs-là qu'on a connus gamin. Et vous allez forcément trouver votre bonheur sur cette chaîne YouTube. J'espère que ce petit moment de nostalgie vous a plu, parce que moi, ça m'a plu de le faire pour vous. Bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, bah, qui devra arriver rapidement, j'espère, bah, je vous invite à vous abonner à la page, pour ne pas la rater, justement, cette prochaine vidéo. Donc ça se passe hop, en bas à droite, pour vous, ici. Et donc, vous pouvez même activer la petite cloche, ça vous permettra d'être notifié dès que la nouvelle vidéo arrivera. Et puis, bah écoutez, bah, je vous dis à très bientôt. Salut les petits clous.